Je reviens. C'est bon, j'ai les mains propres. Oui, parce que ça ne vous a sans doute pas échappé. En ce moment, il y a un petit virus qui circule. Je vous balance l'info comme ça, à brûle-pourpoint. C'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Pour limiter la propagation de ce virus, il est vivement recommandé de se laver les mains régulièrement. Alors, je suis bien consciente qu'on n'a pas toujours à disposition un lavabo, de l'eau et du savon. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir toujours sur soi un gel antibactérien. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les gels antibactériens, en ce moment, ils se font rares, les prix augmentent, bref, ça coûte cher. Vous pouvez très bien vous-même faire votre propre gel antibactérien. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous montre la recette. Il vous faut 250 ml d'alcool à 90, 12 ml d'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène à 3%, 4 ml de glycérol, donc ça peut être de la glycérine végétale que j'ai là. Bon, là, ça fait un peu plus de 4 ml. Attention, ce n'est pas comme l'eau déminéralisée que vous utilisez dans vos fers à repasser, par exemple. L'eau distillée, c'est une eau totalement purifiée que vous pouvez aussi obtenir en faisant bouillir de l'eau dans une bouilloire propre ou dans une casserole propre, bien sûr, que vous laissez refroidir. Vous commencez par verser dans un récipient l'alcool à 90, vous ajoutez l'eau oxygénée, le glycérol, donc la glycérine végétale, et enfin, vous versez votre eau refroidie. Vous mélangez le tout et vous versez ensuite ce doux breuvage dans des flacons. L'idéal, c'est de prendre plein de petits flacons vides que vous avez peut-être déjà chez vous et vous en mettez un dans votre voiture, vous en laissez un au bureau et puis vous en mettez un dans votre sac. Comme ça, vous êtes sûr d'en avoir toujours sous la main en cas de contamination. Chut. C'est à peu de choses près la recette de l'OMS, sauf que la recette de l'OMS est destinée à des professionnels. Ils recommandent d'utiliser de l'éthanol 96% et nous, pauvres petits particuliers, on va avoir du mal à s'en procurer facilement. Donc j'ai remplacé l'éthanol 96% par de l'alcool à 90. Tous ces produits sont accessibles en pharmacie et dans les supermarchés. Sur ce, soyez prudents, mettez un masque si vous êtes malade. Nous sommes sur la collection printemps-été. Si vous voulez découvrir d'autres recettes, cette fois de produits cosmétiques et de produits ménagers, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, Les bons plans de Mathilde. Vous aurez comme ça plein d'astuces, de solutions au quotidien pour économiser de l'argent tout en préservant la planète. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, vous aurez une petite alerte qui vous dira « Allez, allez voir !» Cette nouvelle vidéo, elle est intéressante. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Facebook, ma page Les bons plans de Mathilde et Le Comptoir de la Débrouille, c'est un groupe d'entraide où on échange plein de bons plans. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me laver les mains encore. Ouais. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut! Oula, j'ai un peu postillonné sur la caméra. J'espère que je vais pas vous contaminer.